Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, le secret de la bonne cuisine. Comme vous avez vu sur le titre, on va faire les haricots, du riz. We're going to do rice, beans, and stew, tomato stew. On va faire ça aujourd'hui dans ma cuisine. Regardez comment c'est joli. Donc, je vais vous montrer tous les ingrédients, ok? Pour la recette, on a besoin de tomates. Ça, c'est beans. J'ai déjà cuit ça très, très bien. J'ai cuit ça. Je vous montre quand j'ai cuit ça dans mon porte-minute. I cook that one in my pressure cook. So, we need tomato, onion, brown tomato, or series tomato. We're gonna do with bell pepper, red bell pepper stew. So we need a lot. On a besoin tellement de poivron rouge ici. Ça c'est du persil. That's green onion. We need salt to taste. Garlic, oil. On a besoin de l'huile ici. On a besoin de passata sauce. La sauce passata. Tomate purée. On a besoin de tomates purées cube magie. Voilà, je vous ai montré tous les ingrédients ici. Bay leaf, si j'ai oublié quelque chose, je vais vous montrer. On va préparer avec le riz là au fad rice, easy cook. Oh my goodness, this rice is so good. Le riz là, c'est très très bon. C'est comme le riz du pays, comme vous pouvez voir. Donc, tu peux trouver ça dans les African shops. Et voilà, je vais découper tous mes ingrédients ici que je vous ai montré. Là, oignon rouge, oignon blanc. Mais on a besoin plus de poivron rouge ici. We need more red pepper because we want to cook red bell pepper stew. On va faire ça, c'est du persil, garlic, gingembre, tomato. And I'm going to blend all this. We need scotch bonnet pepper, ça c'est du piment. J'ouvre dedans pour voir si dedans c'est propre là. J'ai tout lavé avant de les découper. Comme je disais, on a besoin plus de profond rouge ici. La recette là, on a besoin plus de ça. We need more red bell pepper here for this recipe. Donc si tu es sur ma chaîne pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner, partager, aimer et like it. Ok? Voilà, je vais mettre plus, comme je vous ai dit. Je mets plus ça. Et il faut utiliser ton food process. Don't use the blender smoothie one, ok? Faut pas utiliser les blenders qui vont faire très smooth là. Non, non, non. Use food process blender for this recipe. Voilà, je mets tout ici. Ça, c'est les persils. Ah, je dis ciboulette. Voilà, je ferme. Je vais écraser ça ici. Voilà, je vais taper là, que tout, parce que tu ne dois pas mettre de l'eau. You don't need water, yes. So make sure you don't put water. Ok? Et voilà. We done. On a fini de blender. Tu vois, ça doit être crunchy. Ça doit être crunchy, crunchy. It's supposed to be like this. Ok, it's done. So let's go. I'm going to show you my protein. Ça, c'est la viande du goat meat, la viande du chèvre, serviette, turkey, fresh turkey, and smoked turkey. Ok, on a les dindes fumées ici, les dindes fraîches que j'ai tout mélangé là-bas. Je vous ai plusieurs fois montré comment je cuis ma viande. J'ai juste cuit avec, comment dirais-je, de l'eau, oignon, poivre et bref. Et voilà, ma marmite est là. J'ai mis l'huile et on va cuire le riz là-bas. Je vais mettre du sel là-bas dans l'eau. I'm going to add water in my bowl to boil my rice and coconut oil. Ok, on va utiliser l'huile de coco dans mon riz. We're going to use coconut oil for our rice. It's so nice. Oh my goodness, try this. Vous allez aimer. Donc, n'oubliez pas de me suivre aussi sur l'Instagram, le secret de la bonne cuisine, ma page Facebook, le secret de la bonne cuisine. Voilà, j'ai déjà lavé mon riz, tout et tout. Je vais mettre ça là-bas. Le riz, là, on le trouve dans les magasins africains, au Ghana, nigérien. Non, je dis nigérien, ouais.
pas Ghanéen, parce que les Ghanéens n'utilisent pas ça. You can find this one in Nigeria shop or Africa shop, this rice. So let's go back to our pot, the other pot, to fry our stew, okay? Voilà, je mets ça, je vais mettre mes blenders, tout ce que j'ai. Oh, j'ai vu une tomate là qui n'était pas blendée. Je vais retirer ça. Et voilà, je renverse tout, tout, tout ici. Je vais renverser tout mes ingrédients que j'ai écrasés. I'm gonna add all my blender stuff here. Une tomate purée. Je vais mettre la tomate purée. Et passata sauce. Oh, passata sauce. So delicious of this. Oh my goodness. Passata, la sauce tomate passata là. Je mets un tout peu de sel. Je vais vous dire pourquoi je ne mets rien d'abord. Je vais juste cuire ça comme ça. Je vais rincer mon blender. Je ne veux rien gaspiller. I'm going to rinse my food process. I don't want to waste anything. Et je vais laisser cuire ça pendant au moins 10 à 15 minutes. I'm going to leave this one to cook at least. I'm going to have my bay leaf. Je vais mettre mes laurier pour avoir plus d'arôme là. So I'm going to leave this one to cook. Oh, that brand pepper is didn't cook. C'est pas bien écrasé. Je vais découper ça après. Je vais cuire ça au moins pendant 10 à 15 minutes. I'm going to leave this one to cook for 10 to 15 minutes. I'm going to check on my rice. Vous voyez, le riz là, ça prend du temps. Donc, je dois augmenter de l'eau. L'eau là était un peu. Mais je ne voulais pas mettre d'un seul coup pour ne pas cuire. C'est un peu dur à cuire. C'est comme le riz, vraiment le riz de l'Afrique là. Le riz du pays. Du village même. Et voilà, j'ai rajouté de l'eau. Je vais goûter s'il y a du sel. Il y avait du sel. Voilà, je recouvre encore. Je laisse cuire comme ça. Très bien. Voilà, je reviens sur ma sauce là. Ça fait au moins 10 à 15 minutes, ça cuit là. Mais c'est pas complètement cuit. Je veux réduire de l'eau. I'm gonna reduce the water from my sauce before I can add my protein. Je veux réduire de l'eau. Après, je vais mettre ma viande. Ça va bien cuire ici. So now it's time to add my meat. If you want, you can grill your meat or fry it. But mine was okay like this. Si tu veux, tu peux griller ta viande ou mettre au four pour griller. Et j'ai mis le jus de ma viande. C'est pour ça que j'ai pas mis de cube magique parce que j'ai bien assaisonné ma viande avant de bouillir. I seasoned my meat so well, so that's why I didn't use any magic. I just had a little bit of salt, so I'm going to add my meat, like I told you, there's goat meat here, shaki, fresh turkey, smoking turkey. Comme je disais, il y a la viande du chèvre ici, il y a la viande du, comment dire, dinde fumée, dinde fraîche. Il y a tout ici et les serviettes de la viande. Donc, je vais remuer, je vais pas mettre de l'eau encore. Je vais laisser que j'ai mis le jus seulement de la viande. I just had my stock meat. Because my stock meat is well seasoned. So that's why I didn't add any maggi. Because I boiled my meat with maggi, onion, black pepper. Black pepper, olive. Black pepper, garlic. And now it's time to cover and leave it to cook for 10 to 15 minutes. I'm back again to check. Check my meat. Oh my goodness. Look at. Look at how beautiful. So delicious. This sauce was so delicious. La sauce là était très très délicieuse. Je édite ma vidéo là. Mais ça c'est du gombo. On va accompagner avec du gombo, le riz là. J'ai écrasé du gombo. That's my okra. I blend my okra. I'm gonna boil it. Now it's time for me to add my little bit of cube magi. I test it, so that's why I said I didn't add any cube magi in it. Because
because my stock was so well seasoned. Le jus de ma viande c'était bien assaisonné, donc j'ai pas besoin de mettre beaucoup de cube magie ou du sel. J'ai juste mis un petit peu et ça va. Et je vais continuer à cuire là. Oh my goodness. Faut essayer ça. Votre famille va vraiment aimer. Try this recipe. Your family will really enjoy it. It's so delicious. See? A thumbs up for myself. Oh, it's so delicious. You're not subscribed yet. What are you waiting for? Tu n'es pas abonné avec tout ça là. Hein? Qu'est-ce que tu attends là? Donc voilà, je vais revoir mon riz. Il y a mon gombo qui cuit là-bas. Mon riz, c'est presque cuit maintenant. C'est bien cuit. Maintenant, je peux rajouter mes haricots que j'ai déjà bouillis dans mon four. Parce que c'était fraîche haricots que j'ai bouillis dans mon pot minute. Oh, my rice cooker. Now it's time to add my beans. It's rice beans. Easy. Eat rice beans. Try this. Oh my goodness. Essayez la recette là. Vous allez vraiment aimer. Je sais. Le riz avec, comment dirais-je, du riz. Souvent, c'est les anglophones qui mangent ça. Et surtout les Nigériens, les Ghanais, ils adorent ça. Nos rice beans, most of the time, is anglophone people eat that one. And look at my stew is nearly done. My stew is nearly done. So much protein. So many protein inside. Regarde la viande par là. Hein, dans ma marmite. La viande par là dans ma marmite. Hein? Surtout le mélange là. Hein? Dinde fumée, dinde fraîche. Chèvre, la viande du chèvre, les serviettes, j'ai bien combiné ça. Bien combiné ça. Oh my goodness. I have saliva in my mouth là. I'm editing this video. J'ai la salive dans la bouche comme ça. Je fais mon montage. Et la sauce là n'a pas tardé. En 2 jours, c'était fini déjà. This stew just take 2 days. After 2 days, no more. Everyone enjoy it, honestly. Tout le monde a bien regardé dedans. Donc, mon gombo là, ça cuit là très bien. Parce que le riz là, mon chéri, il aime ça avec du gombo. Gombo, j'ai bien écrasé ça. Je vais bien bouillir ça. Juste de l'eau, j'ai juste mis de l'eau. J'ai rien mis. C'est juste de l'eau. Voilà, c'est presque fini comme ça. Donc, je vais mélanger le riz avec les haricots. I'm going to mix my beans with rice beans. Rice beans. Rice beans. Mais si vous ne trouvez pas le riz là, vous pouvez utiliser le riz du pays même. Brown rice. You can use brown rice if you don't find this or fado rice. Because I know it's not everyone can find this rice. But if you can't find it, use brown rice. Ok? Si tu ne trouves pas le riz que j'ai utilisé là, tu peux utiliser n'importe quel riz, le riz du pays quoi. Mais c'est pas tellement bien avec le riz blanc. Pour moi, je préfère le riz du pays. Mais tu peux essayer avec le riz que tu as. Peut-être ça va être doux. You can use the rice you got at home. Ok? And my beans was fresh beans. And I boil it. Mon haricot, c'était fraîche, pas cuit ni rien. C'est moi-même qui avais bouilli ça. Et voilà, on est presque fini. Tout est prêt là. Tout est prêt là. Look at. He's ready to eat. He's ready to eat. My food is ready to eat. My gumbo is ready. My red bell pepper stew is ready. Rice beans is ready. It's time to serve you guys. It's time to serve. Enjoy. Come and grab my pot. It's all yours. Come and grab it. Venez prendre ma marmite, mes 2 marmites. Je vous donne free. I give you free. My 2 bowls. I give you free. Voilà le résultat. Regardez ça. Oh my God.
Ah, j'ai mis du gombo à côté. Là, le mélange là est tellement bien. Those mix is so delicious. Try this recipe. Thumbs up for me. Like it. Comment below. À très bientôt pour une autre vidéo. Bisous à tout le monde. Enjoy this video. Go. Tu vas faire comme moi. Bye!